Bonsoir, bonsoir. Il y a un petit bonjour là-bas. Bonjour. Bonsoir les filles. Et bonsoir jeunes gens. Et bonsoir à vous qui êtes confortablement installés à la maison. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Tout ça aujourd'hui, pas d'énigmes. Vous assisterez à un quiz tout à l'heure. En fin d'émission, nous ferons gagner des paniers de basket. Tout ça. En attendant, on va accueillir celui qui va rester avec nous, j'espère, pendant une petite heure. J'en sens deux, trois, très, très énervés. Il va arriver. C'est une rock star, mesdames, messieurs. Voici, attention, tenez-vous bien, Billy Idol. Le voilà. Il est en pleine forme. Mesdames, messieurs, voici Billy Idol, accueil chaleureux, le voilà. Oui, bien sûr. On a déjà eu Django. Hi. Very, very nice to meet you here and yeah, to receive cool. You. You speak French or not at all? Don't forget. Un petit. Un petit peu. Très bien. De toute façon, vous êtes équipé d'une petite oreillette, donc on va pouvoir parler français. This is... Bien sûr, un petit... Grande, grande. Bien sûr. Je vous rappelle, cher Billy Idol, que nous sommes une émission d'avant-dîner, que donc il y a des enfants qui nous regardent, des familles, tout ça, et que donc, bien évidemment. OK? Shit. OK. Il a dit d'accord. Il a dit d'accord. Billy Idol, permettez-moi de vous présenter notre rockstar à nous. Voici Patrice Carmouze, just behind you. Patrice Carmouze, mesdames, messieurs, accueille, le voilà. Vous avez une petite, un petit, petit étui pour mettre votre micro ici. Ok. Fourette, oui, mais je ne sais pas si c'est très traductif en anglais. What do you say? Et il a dit bonjour. Très bien, il a dit Christophe. Hello. On va parler. I like Grand Prix drivers. Oui, not Grand Prix driver. Ooh. On va parler de votre actualité, Billy. I see what you mean. Sorry? Yeah, I see what you mean. Ok. Et, ah oui, comme lui. Et ça qu'il a dit? Attends, je vais mettre un petit schmurt. Oui. Ça? On va parler donc de l'actualité de Billy Idol d'ici quelques instants, qui est ce nouvel album, qui est un album rock et électronique et moderne. Il va nous en expliquer le détail tout à l'heure, mais pour l'instant, nous allons commencer par le courou coucou. Billy, est-ce qu'il y a des choses qui vous mettent en colère? Et si oui, éventuellement, lesquelles? Yeah, just pop out. Thanks for the microphone. Il est gentil, oui, c'est rien. C'est rien, il m'a juste arraché un bouton. On va pas qu'il m'agace non plus. Hein. J'ai plus de bouton, c'est rien. On va rigoler. Ah, il est dangereux comme ça. Excusez le microphone. Non, c'est ok, j'ai plus de bouton, c'est tout. Je vais rester tenu jusqu'à la fin de l'émission. C'est pas grave. Alors, on va écouter immédiatement les premiers courroux. Vous êtes très nombreux à vouloir nous en faire part. Nous vous écoutons. S'il recommence, c'est vraiment que j'aimerais bien qu'il me prévienne, moi, pour éviter. Alors, allons-y. On vous écoute, quel est votre courroux? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Malika. Bonsoir Malika. J'habite Anthony. Bonsoir Malika, qu'est-ce qui vous met en colère, Malika? Alors, ce qui me met en colère, c'est que voilà, je travaille sur Paris et je voyage tous les jours avec un petit bébé, un enfant de 22 mois. Oui. Et donc, je prends les transports en commun. Et ce qui se passe, c'est quand j'arrive dans le wagon, naturellement, c'est le matin, il y a beaucoup de monde. Si je ne demande pas une place, personne ne se lève. Et encore, quand je demande une place, c'est, on me regarde bien, on me détaille bien déjà pour voir si je ne suis pas bizarre. Et après, on daigne se lever. Et la plupart du temps, ce sont des femmes qui se lèvent parce que les mecs, ils sont dans leur journal ou en train de se décrotter le nez et ils ne regardent pas ou quand ils me voient, ils tournent la tête. Ah, la particularité donc des garçons, c'est de se décrotter le nez. Non, c'est pas ce que je... En tout cas, vous voulez dire par là en tout cas que les gens dans le train et dans les transports en commun sont mal élevés? Oui, tout à fait. Patrice. Tout à fait. Ils sont vraiment mal élevés. Vous prenez peut-être pas les transports en commun, mais moi, je peux vous dire ça que arrive. Je prends tous les jours et que c'est tous les jours que ça arrive. C'est vrai je qu'ils sont indifférents dans l'ensemble, ouais. Comment? Ils sont un peu indifférents. Ils sont indifférents, mais c'est tout à fait ça. Ils sont indifférents.
Tout à fait. Alors par contre, s'il y a une personne qui rentre avec un chien, on se pousse pour laisser passer le chien. Mais moi, quand je rentre avec mon bébé, alors il y a un espace entre le quai et le train. J'ai la poussette fermée d'un côté et le bébé de l'autre. Il n'y aura pas une personne qui prendra la main du bébé pour qu'il puisse enjamber correctement. Écoutez, Malika, moi, ce que je souhaite en tout cas, c'est que votre message soit entendu par ceux qui se conduisent mal, parce que vous savez, se décrottent le nez, mais qui vous laissent la place. Oui. Non, c'est pas qu'ils me laissent la place, mais c'est déjà pas marrant de prendre les transports en commun. En plus, avec un bébé, parce que j'ai pas le choix, il va à la crèche de mon travail, et que on le regarde comme une bête curieuse. C'est un enfant, en plus c'est pas un enfant qui crie, qui est quand même assez gentil. La moindre des choses, la moindre des corrections, c'est déjà de me laisser passer, et puis bon, ben que je puisse m'asseoir et l'avoir sur les genoux. Vous et les autres femmes dans votre cas. Oui, parce que je suis pas la seule, dans mon travail on est plusieurs, des dizaines, et c'est comme ça tous les jours. Écoutez, j'espère, on est évidemment... De tout cœur avec vous, hein. Would you like to say something? Maybe she is a Martian. Vous êtes martienne peut-être, demande Billy. Pas tout à fait, non, je suis bien terrienne. Ouais. But a dog? Comment? Et le chien, ça? Yeah, maybe. Non, she said she was a Martian, she was a dog. Non, elle a pas dit que c'était une martienne. Non, c'est le traducteur, il faudrait que le traducteur fasse son boulot. Non, elle a pas dit qu'elle était une... C'est le translator. C'est le traducteur. Non, elle a dit qu'elle prenait le métro, pas qu'elle était une martienne. Voilà. Elle prend les transports en commun, c'est pas... Yeah, but I took the subway in New York, and there were Martians, and there were dogs. Il y avait des Martiens et des chiens. You didn't give up your seat for either. Just tell them that. Alors, non, mon message, c'est alors, que... Il a dit qu'il avait déjà pris le métro à New York, et qu'il y avait des Martiens et des chiens, et qu'il n'avait pas laissé son siège ni aux Martiens ni aux chiens, ça va donc beaucoup mieux. Oui, mais moi, mon enfant, c'est pas un Martien, pas du tout. C'est New York. C'était à New York, oui. Oui, ce que je veux dire, c'est... que déjà les messieurs soient un peu plus galants, déjà c'est une chose. Mieux élevé. Oui, et puis que bon, que c'est quand même, on apprend la politesse à nos enfants, donc... Women come on the subway, they come on the subway, they have orgasms on the subway here. That she said, women come on the subway and men are not behaved, right, so it's, I mean... Billy Holiday. Billy Holiday est en train de demander si les gens ont des... Ok. Billy Idol. Sorry. Non, il demandait. Donc Billy Idol. You mean he's a rock and roll singer like me? Is that what you just? It's just a joke. C'est ça. Je suis chanteur de rock également. Martien. Non, it's okay. Anyway, she was having an orgasm on the subway. She was having an orgasm. Oui, les orgasmes. Il demandait si les Français avaient. And it involved a dog and a Martian. Bien sûr, je confirme donc à Billy Holiday que les Français ont régulièrement des orgasmes dans le métro avec les chiens et les martiens. Bien sûr. I think that's very lucky. You're very fortunate. Voilà. Good day. Oui, il dit que vous avez beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Madame, en tout cas, Malika, je pense que votre message a été entendu et que les garçons maintenant qui ne laisseront pas votre place, ben, ma foi, prenez leur prénom et dénoncez-les et appelez-nous, ok? Ok, au revoir. Merci Malika, au revoir et bon courage. Est-ce qu'on peut faire une toute petite précision? Vous savez que vendredi, il y a une dame qui nous avait appelé parce qu'elle avait un chien qui avait été piqué par un vétérinaire qui avait été amené, et le chien avait été amené par son ex-mari. Tout à fait. Alors on s'est un petit peu renseigné, et elle a raison, c'est-à-dire que toute personne qui se présente chez un vétérinaire avec un chien, il fait foi de propriétaire. C'est-à-dire que le vétérinaire n'a pas à vérifier s'il est le vrai propriétaire du chien, et notamment si le chien n'est pas tatoué. S'il est tatoué, il faut qu'il remplisse une petite demande, qu'il demande d'euthanasie, et si en effet il met son nom et que c'est pas le vrai propriétaire, après on peut le poursuivre. Mais c'est inouï ça. C'est vrai que les vétérinaires n'ont pas à vérifier la qualité des gens qui se présentent. Bah, il faudrait que ça change, hein, peut-être quand même. Hein, que n'importe qui ne se présente pas avec n'importe quel chien. Voilà. Et Billy Idol s'en fout complètement de ce que vous êtes en train de raconter. Vous pouvez amener un martien aussi. On peut amener un martien aussi si on veut, chez le vétérinaire. Hein, voilà. Ok, on va se retrouver avec Billy Idol, donc je le disais, qui m'a donc déchiqueté ma chemise. Et on va se retrouver juste après la pub avec lui, Patrice et le reste. A tout de suite, merci beaucoup, à tout de suite. Merci beaucoup, à tout de suite. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec Billy Idol qui est ici. Est-ce que vous jouez? Alors, on va parler tout à l'heure de votre dernier album qui est de la musique par ordinateur. Je crois que vous allez nous expliquer tout ça. Mais est-ce que vous jouez de la guitare, Billy? Yes, I do play the guitar, yes. Oui, évidemment, il joue de la guitare. Play about as good as Johnny Hallyday.
Aussi bien que Johnny Hallyday. Just 10 years younger. Ah ouais. You know. Mais 17 ans. J'étais un petit peu plus jeune, effectivement. You were right. I'm an aging. Donc 40 ans. Patrice. Et alors, donc on a quelqu'un qui est là, qui est Tim Lazer, qui était déjà venu une fois ici, et qui a des guitares absolument extraordinaires. Qu'est-ce que vous allez faire, Tim? Bonjour, Tim. Alors on va montrer ça. Yeah, I want to see that. C'était pour montrer à Billy ce que vous faisiez. Qu'est-ce que vous allez faire, Tim Lazer? Eh ben, ce soir, je fais une expo au Bazar Café, expo de sculptures post-nucléaires, de guitares. Mmh. Qui sont là? Qui sont là, qu'on voit là, donc qui sont des guitares en fonctionnement. Certaines, oui. Ouais. Et vous êtes accompagné par une jeune camarade qui s'appelle Rachel, c'est ça? Voilà. Rachel à la percu. À la percu. Et j'en ai une pour vous, une pour chacun d'entre vous. On va vous rejoindre et puis on va bah, venir jouer. Voilà. On va le rejoindre. On le rejoint. Billy, on va rejoindre notre camarade. Non, c'est du 7 juin au 20 juillet, l'expo. Du 7 juin au 20 juillet, c'est ça. On va vous poser une question militaire, même, messieurs, pendant que vous êtes en train de se mettre en place. Regardez cette question militaire, 3615 TFR, rubrique au cours. Regardez-la bien immédiatement. Pensez-vous qu'il faudrait créer de nouveaux instruments de musique? Ah ouais. Si oui, vous répondez. Sinon, vous répondez. 3615 TFR, rubrique au cours. Billy et Patrice sont en train de faire très potes, les gars. Très, très potes. On va voir, et je suis dans le métro. Je préfère ça pour votre costume que pour le mien, mon gars. J'ai vu ça. C'est très clair. Alors qu'est-ce qu'on présente l'expo d'abord? Oui, allons-y, pardon. Hop. Alors là. La première, c'est Rachel qui l'a décorée d'ailleurs. Bravo Rachel. Avec un chevalet en cristal. Yeah, I can tell. Hein? Elle exauce tous les désirs. If you play, you can. What you want, you can have it. Voilà. On peut jouer, quoi. Voilà, tous les souhaits peuvent être exaucés si on joue avec cette guitare. On va les installer sur le petit praticable ici. Another one. Une autre. Venez. D'accord. Là, je vais essayer de l'amener, mais. Voilà. Non, il va bien. Try this one. Il joue dans tous les sens, hein, Billy, il n'y a pas de souci. Billy. Billy, if you want to come here. If you want to come here, Billy. English people can play in any position. Qu'est-ce qu'il dit, notre ami Billy? Yeah. Let's try. Ah, ça joue, alors ça va jouer. Hey, ça joue. Ça joue. Ça joue, hein, ça joue, ouais. Ça joue, ça fume. Ça fume. Attention, non. C'est une exposition. Ouais. C'est une exposition. Il va pas le faire, Et on va peut-être débrancher la bête. Il faut la garder. On va la débrancher pour pas que ça. Ah ouais. Non, c'est pour le concert. Ah, c'est pour le concert tout à l'heure, oui. Et pour Christophe, qui est pilote automobile, une voiture. Bien sûr. Le problème, c'est que je ne sais pas jouer de guitare du tout, moi. Où sont les cordes? Les cordes sont là, ça se tord comme ça. Ça se tord? Ça se tord. Ah, ça sort, oui, bien sûr. Ça s'accroche à la ceinture. Ça s'accroche à la ceinture. Et on va faire un concert, hein, je pense. C'est un concert. Bah, comme ça, hein, je vous le dis. Comme ça. Nous, on a l'habitude, en plus, de faire... Ah, il y a Rachel qui est déjà dans le coup. Ouais. C'est bon, super. Attention. Oh, le son. Ah, c'est un petit peu spécial, mesdames, messieurs, ce soir. C'est bon, vous présentez du rock'n'roll. Là, c'est un peu particulier. Non. Ça, c'est celle-là qu'on va peut-être calmer. Elle est très jolie. Patrice, joue. Ah, ça joue, hein. C'est un concert en live, hein, mesdames, messieurs. Alors, qu'est-ce que c'est le concert que nous en attendons? On fait un bœuf. Un bœuf. On fait un bœuf. Billy et Rachel sont au bœuf, hein. Et moi, j'entends pas la mienne. J'entends pas la mienne. Et j'entends la mienne. Mais j'entends pas la mienne. Pas mal. Ah, ça joue. Ah, c'est un moment. Ah, il est en train de lui exploser sa guitare. Bon, c'est un bœuf, les gars. Un bœuf exceptionnel, mesdames, messieurs. Ok. Donc, on peut faire ça ce soir, hein. Renverser à la maison, c'est bon, c'est super. Ça mérite évidemment quelques applaudissements, hein. Celle-ci. Voilà.
voilà, c'était épatant. Et il y a un maniement de langue qui est très particulier quand même dans le rock de Billy. Hein. Oui. Je pense que Billy et Rachel sont en train de faire pote. Hein. C'est clair. Ils ont fait des percussions. Ils ont fait des percussions. Et on va parler peut-être de l'album de Billy, mais quand, Patrice? Mais dès qu'il veut venir à la dès qu'il va venir nous rejoindre. Tim Laser, merci beaucoup. Okay. On, a vu tout ça. Bonne expo. C'est vert, Pigalle. Hein. Il est ce soir au Bazar Café à Pigalle. Rue Victor Massé. Okay. Merci beaucoup, Tim Laser. Bravo. Nous allons parler donc de ce dernier album. C'est un album rock, Patrice, n'est-ce pas? Et c'est un album qui a cette particularité, c'est que Billy l'a composé à partir d'un ordinateur. Et ça, il va pouvoir nous l'expliquer, comment on fait. Parce que évidemment, s'il est arrivé, tout le monde ne peut pas le faire, mais il a envie de dire qu'on peut quand même. Auparavant, juste avant de parler de votre album, juste avant de parler de cet album fait avec un computer, on va regarder la réponse Minitel, puisqu'on vous a demandé tout à l'heure si vous pensez qu'il faudrait créer de nouveaux instruments de musique. La réponse est oui à 68,1%. Ça veut dire donc que C'est vrai qu'on vit toujours avec le même, hein, depuis. Mais je vois pas ce qu'on pourrait inventer neuf. Alors, justement, l'ordinateur, c'en est un. En gros, Billy, vous avez inventé de nouveaux instruments en fait en faisant cet album. I think yes now. Qui s'appelle Cyberpunk, today hein. It is, yes. Today it is a new musical instrument. Yes. Alors aujourd'hui, il dit qu'effectivement, il est nécessaire de créer de nouveaux albums, de nouveaux instruments. Avec quoi avez-vous fait cet album, qui est un album de rock, hein, dites-vous? Yes. You can let 10 centimeters between you and the microphone. Oui, c'est pas un concert. Focus our music through a virtual studio, which is like a recording device. That's the only thing that's computerized about this album. Alors, c'est un système tout à fait informatisé virtuel, c'est ça? Oui, dans un studio virtuel. Dans un studio virtuel qui donne la possibilité donc de faire des sons tout à fait nouveaux. Ouais. Avec un computer de presque, je dirais, un computer ménager de maison? Non. Yes, it made it something that's very do it yourself. C'est quelque chose qu'on peut bricoler et qu'on peut faire quasiment soi-même. Ça veut dire que quelqu'un qui ne sait pas faire de la musique peut faire de la musique grâce au computer ou pas? Yes, anybody here. Et n'importe qui en France peut faire la musique avec un ordinateur donc à la maison. Combien de temps de travail vous demande un album comme celui-ci, Billy? It took 10 months. Dis-moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, ok. Non, parce que ça c'est un jeu de mots, friend joke. Pardon. Mais, sorry. Si c'est par ordinateur. It would be funny in France. Ce jeu de mots serait drôle en France. Il est même pas mal, mais il est français. Okay. Si c'est fait par ordinateur, pourquoi vous dites que c'est pas de la musique techno? Oui, pourquoi? Because the music's made with real live musicians, and even if it uses some techno, some dance, some new forms of technology, I think it's spirit, it's attitude. Parce que c'est quand même une musique qui est faite avec des musiciens, et même si les instruments sont électroniques, ça fait appel à l'esprit et à de véritables musiciens. En tout cas, nous on l'a écouté. Vous considérez que c'est du rock'n'roll, même si c'est hautement technologique et électronique? Yeah, because it's only the way it's recorded was computerized. The mind behind it was rock and roll. Voilà, oui, parce qu'en fait, c'est le mode d'enregistrement et le mode de façon qui est informatisé. Mais derrière, ce qu'il y a derrière, c'est rock and roll. Donc, c'est ce que vient de dire Billy. Hein, donc, je vous traduis. Il n'y a pas une contradiction enfin, Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le fait de faire des textes un peu écolo comme ça et puis une musique très, justement, ordinateur, computer, informatique? Électronique. Électronique, voilà. I don't think so. Non, il ne pense pas. Alors. Voilà. Et vous avez de la chance qu'ils vous mettent pas un coup de boule. De la chance qu'ils vous mettent pas un coup de boule. Je suis d'accord avec lui. Hein. It depends how you think. You're right. Ça dépend de la façon dont on voit les choses, dit-il. On va regarder quelques secondes. Comment dit... Ah, il a un beau costard. Oui, vous avez un beau costard. Oui. Je pense qu'on va changer de place tout à l'heure. Il va peut-être vous niquer vos boutons avant. Depends upon your taste. Depends upon your taste. Et ça dépend évidemment de son goût. Et ça, nous sommes bien d'accord à propos du costume de Patrice. Nous sommes bien d'accord. Des goûts de chacun. Nous allons regarder quelques secondes de votre clip et ensuite, Billy, vous répondrez aux questions que. Et
Et ensuite, c'est rien, c'est après un costume, un micro. Ça, je dis ça pour nos camarades techniciens. Et regardez ça du clip. Voilà, regardez ça. Voilà, donc on en a vu vraiment que quelques secondes pour vous donner un petit aperçu. Et si vous voulez en savoir plus, évidemment, cet album existe, il s'appelle Cyberpunk. Pourquoi Cyberpunk? Pourquoi Cyberpunk? Why not? Pourquoi pas ouais. Eh oui, alors eh si oui. À chaque fois que je vous pose une question, vous me dites pourquoi pas, on n'est pas rendu. Ok, on va maintenant écouter vos questions, mais à mon avis, si on a 4 ou 5 questions de votre part et qu'à chaque fois, et pourquoi pas, eh ben, on n'est pas dans la mouise. Allons-y, première question, votre prénom, d'où nous appelez-vous? Et pourquoi? Bonsoir, Olivier de Marley. Pourquoi? Je ne sais pas. Olivier de Marley. Voilà. Ok. De Marley. Quel âge avez-vous, Olivier? J'ai 20 ans. 20 ans. Et Billy Idol vous écoute. Too old. Étiez-vous enthousiaste à l'idée de jouer dans le film d'Oliver Stone, Les Doors? Quel enthousiasme, yes, je vois. Yes. Oui, il l'était. It's just pity about the result. Excusez-moi, pardon? Shame about the result. Non. Le résultat était... Attendez, Olivier, ouais. Pas... excusez-moi, est-ce qu'il faut que je le traduise? Bien le résultat, sûr. The result was what? Shame. Ah. Il est content d'y avoir joué, mais pas content du résultat que ça a donné. Quoi. Visiblement, il dit que le résultat était une honte, oui. Bon, donc content d'y avoir participé. Just joking, it's just a joke, for fuck's sake. Ah, mais il plaisante. Ah, il déconne. Donc, je déconne, dit-il, mais mettez un petit carton, hein, je déconne. Parce que nous, comment on sait sinon? You're not going to give me the yellow card, are you? Oui, yes, I must. Yeah, okay, I can give this one for you, and when you joke, hop, you show me, thanks. ça vous va, Olivier? Ouais, ça va très bien. Ouais. Enfin, il s'est fait un peu de fric, quoi, sur le film, quoi, j'ai l'impression, c'est ça, non? En gros. Quoi? Enfin, ça lui prenait la tête de jouer, et puis bon, il s'est dit, Non, il dit que c'était un vrai plaisir et que le reste était une plaisanterie, jeune homme. Ah, ok. Ok? D'accord. Salut. Hein. Salut. Hein. Au revoir, on va prendre une deuxième question pour Billy Idol. Allons-y, bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous? Allô, bonsoir, Nicolas de Nîmes. Bonsoir, Nicolas. J'aimerais tout d'abord dire à Billy que je suis un de ses plus grands fans, que j'adore tout ce qu'il fait depuis déjà pas mal de temps. Il entend et, tout. Okay. Et j'aimerais savoir ce qu'il a conservé aujourd'hui de son expérience avec son ancien groupe Generation X et ce qu'il pense avec le recul de la punk wave des années 70 en général, quoi. Ce qu'il pense, pardon, avec le recul de... De la punk wave. A lot of great ideas, a lot of fun, a lot of sex. Il s'est beaucoup amusé, il y avait des bonnes idées, il y avait un peu de sexe. Ouais, j'imagine. Well, I said fun first. Et fun. Et oui. Fun, yeah. Ouais. Il s'est bien ideas. Amusé, il y a eu pas mal d'idées et beaucoup de sexe. Get it right. Non, c'est clair, c'est clair. Clair. C'est très clair. Donc, bon souvenir. Quel regard aujourd'hui vous avez? Yes, bon souvenir. Bon souvenir. Yes. Yeah. Good souvenir. Yes, it was a very good. Ouais. Très bon souvenir. Donc, Patrice. Attends, c'est de la provoque pour fun ou de la véritable provocation, le mouvement punk? Yeah, it was great and a lot of ideas and a lot of energy and it sort of kicked down the doors at the right time. Ils ont défoncé les portes quand il fallait. Il y avait beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie. J'ai pas tout dit dans l'ordre, mais j'ai tout dit. Hein. Ok. Oui, oui. Donc c'était vraiment quelque chose de sincère. I don't know about France, but in England they did that. Il s'est pas en France, mais en Angleterre c'était comme sincère, ça. Sincère. C'était sincère. Yes. Yes. Oui. Oui, c'était. And it still is today. Cyberpunk is a natural evolution of the 77's punk. Ah, ok. Cyberpunk est donc le titre de cet album. C'est l'évolution naturelle de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'il a fait il y a quelques années. Right? Yes. Ok, thanks. Yes. Ok, thank you. Ouais, welcome. Yeah, ça vous va, jeune homme? Ouais, pas de problème. Je crois qu'il a entièrement raison. Bah, ça baigne alors. Voilà. Au revoir, jeune homme. Au revoir. Une autre et dernière question pour Billy Idol. Allons-y. Bonsoir, votre prénom? Marielle. Bonsoir, Marielle. Une jeune fille, quel âge avez-vous? 21 ans. 21 ans. D'où nous appelez-vous? J'appelle de Paris. Vous appelez de Paris, ce qui n'est pas très loin. Posez votre question, Marielle, Billy. Non, vous n'avez pas envie d'avoir une jeune fille au téléphone, Billy? Yeah, what's her address?
Comment? What's her address? Comment elle est habillée? Non, ce qu'elle est sur l'adresse. Quelle est mon adresse? Quelle est votre adresse? 21. Phone number, yes. Tout ça. Vous avez tout donné à la fin si vous le désirez. On donnera tout à Billy. For one more night. Pour une nuit de plus. Encore une nuit. Mais on va pour l'instant écouter votre question. J'aimerais savoir ce qu'il a pensé du public français lors de son concert à Paris. Qu'est-ce que vous avez pensé du public français? They were wild at the Zenith. Wild. Ils étaient déchaînés, c'était formidable. Yes, mais c'est formidable. Yes. Et qu'est-ce qu'ils pensent du public sur le plateau? Qu'est-ce qu'ils pensent du public d'ici? Huh. Que pensez-vous du public d'ici? What does it look like? Comment? Where's the camera? Camera is here. This one. This one. No, no. This one. Okay. Yeah, I think they're great. I'm enjoying. Look, do I look like I'm having fun? Il a l'air de bien s'amuser. Yeah. Il a l'air de. Est-ce qu'il a l'air comme ça de pas s'amuser? All right. Oui. C'est la question qu'il posait. Il a l'air tout à fait heureux. Il a l'air très heureux. Oui, oui. Et oui. Yeah. Tout à fait. Et nous aussi, yeah. Évidemment. Thanks, Mike. Okay. Vous allez refaire une scène en France? Est-ce que vous allez refaire une scène en France? Pardon? Are you going to? Yes, we're going to play in September here with Bon Jovi. But we're going to play, and then in the new year with the Cyberpunk tour. Voilà, il va jouer en septembre ici avec quelqu'un dont il a fait une mousse. Oui. Avec? Je ne sais pas bien compris. Donc. Voilà. Et puis, Bon Jovi. Ouais, il a fait l'amour. Oui. Et puis en 94, il fera une tournée pour Italian band. C'est un groupe italien. Yes. Un groupe italien. Ok. Une dernière question pour Billy Idol. Allons-y. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Christine, j'ai 22 ans. 29 ans. 22 ans. 22 dans deux jours. On prend quand même. Allez-y Christine, d'où vous appelez-vous? De Shell. De Shell? Ouais. Ok, posez votre question. Je voudrais savoir si c'est vrai que pour son 37e anniversaire, Billy a invité chez lui 37 stripteaseuses. Et si c'est vrai, ce qu'il en a fait, quoi? Je rappelle quand même à nos camarades que nous sommes juste avant le repas. Mais est-ce que c'est vrai que pour vos 37 ans, vous avez invité 37 stripteaseuses? Yeah, I can't wait till I'm 38. Oui, il arrête d'avoir 38, et nous le comprenons. Donc oui, c'est la vérité. Qu'en avez-vous fait, demande cette jeune personne, Billy? Ça ne nous regarde pas. Non. Ça ne nous regarde pas. On ne peut vraiment pas savoir. L'imagination. Come on, use your imagination, baby. Faites appel à votre imagination, dit-il, et il n'a pas tort sur ce coup-là. Pas de problème. Au revoir, Christine. Au revoir. Au revoir. C'était la dernière question. Billy, j'imagine que vous êtes... Yes, thank you. Et merci Christine. J'imagine que vous êtes extrêmement amateur de magie. Si vous me répondez non, on est dans la mouise totale, hein, je vous le dis tout de suite. Donc vous aimez la magie. You like magic. Yeah. Yeah. Thank you. Il avait chaud là-bas. Il a eu chaud, hein. Il a eu très chaud. May I introduce you Bernard Billis. Bernard Billis est le plus grand manipulateur du monde au monde. Et il va probablement... vous jouez aux cartes, Billy? Ça vous arrive de jouer au cartes? He plays house music. Oui. Est-ce que vous faites de la house music? Non. Juste avec house les yeux. Magic. House magic. House magic. Ouais, c'est déjà pas mal. Voilà. C'est new. Vous allez faire un tour de cartes, n'est-ce pas? Tout à fait. On va faire plusieurs choses. Est-ce que je peux vous demander de vous lever, Billy? Et... Alors là, I can't de mon avis, on va le. Non, il veut pas. Vous laissez... Il voulait pas. Il bon. Peut pas. Eh ben, ça commence très fort. Can't stand up. You can stand up, ok. Eh ben, c'est pas grand, on va faire un tour de cartes. Voilà, il va débrouiller, hein. Débrouiller, peut-être. Si vous voulez, Patrice ou moi, on peut se lever. Oui, en marque de. Ça vous intéresse pas. Stand-up. Ah, il stand, ok. Yeah! Allez-y, parce que debout, c'est beaucoup plus facile pour prendre un coup de boule. Hein. Voilà. I have one thing more to ask you. J'ai un truc de plus à lui demander. Est-ce que vous pouvez enlever vos lunettes? Ça m'étonnerait. Non. Can you take the trousers off? No, you don't know. Il a dit que le traducteur était... Ah, si vous enlevez votre pantalon. Traducteur et traduit quand il veut. Non, c'est parce qu'on n'a pas le même usage peut-être des lunettes. Mais on n'a pas le même usage des lunettes, c'est pas grave. On va faire un tour de cartes alors. Voilà. Yeah, he doesn't have the same idea as trousers. Qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est le pantalon. Il avait bien compris, mais il n'a pas envie. Non, mais il veut pas. Fuck you, hey, come on, man. Hey, do the trick! I do the trick. Yes! But do the trick, come on! Okay. Move me! No! Maintenant, Bernard,
c'est votre truc, ça. Okay. I'm doing the tricks. You know, I'm va faire le truc. I'm doing the tricks. You want to no, you come on. Want to do it? Yeah. Do it. No, because I think with the glasses it's impossible. Right, I think okay. so. Okay, no, it's okay. okay. We do another okay, one. Okay. Okay. Allez, bien, rassez-vous, on va se calmer tout de suite parce que ça risque de rester des. We can't be much of a trick. Allez-y, petit nanar. It's not a trick, it's just a fake. Okay. Yeah, of course. Allez. Un peu chaud, Bernard. Bon, vous avez chaud. I refer the cards like this and you just say stop. It's a real thing. If you please, you say stop. Il y en a rien à se faire. Non, je pense que oui. It's the real thing. Oh, ils ont chanté quelque chose, alors. Attention, attention. Bernard, they told me on this show anything can happen, so. Okay, if you please, when I refer like this, you just say stop when you want, okay? On lui a dit que tout pouvait arriver sur le plateau, on a exagéré. Ça fait deux fois qu'il tord ce micro va finir par s'énerver, Billy. Wait, slow down, because the translator, he can't catch up with you. Ce micro va finir par s'énerver. Let's fucking, come on then, come on! Okay. I can't take it anymore! Eh mais traducteur, il fait la sieste ou quoi? Non, non, non. Go your windows and say I can't take it anymore. Ouvrez vos fenêtres et dites. Ouais. That's magic. C'est ça la magie. C'est ça, ils disent que tout ça, c'est la magie. Vous êtes ridicule. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais moi, je crois au Père Noël, c'est pour ça. Voilà. Alors, nous allons. Il nous reste deux minutes, hein, je vous signale. On va faire très vite, là, alors. Vous avez été bon aujourd'hui. Hein. Bon, you say stop when you want, please. Non, il dit non. Christophe, stop. Vous stop. Ici. Okay. Stop, un second. Ah, mais il va venir à côté de moi, c'est ça. Hey. Très bien. That's my class. That's my class. It's my class. Parlez d'air, mais parlez d'air. Tu vas voir, moi aussi je vais m'énerver, tu vas voir. Peur. Bon, je propose à. Doudouille. Il aime bien ma veste. Pas chaud. Il aime bien votre pied. Il aime bien votre corps aussi. Oui, mais ma veste, surtout. Alors, c'est bon, on y va. Allez, stop, vous dites stop quand vous voulez. Vous dites stop quand vous voulez. Stop. Stop. Vous regardez la carte, vous la montrez à l'écran. Ok. Ok. Hop, 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 voilà, on la remet n'importe où. Alors j'anime une émission avec Billy Hyde. Non, 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 attendez, attendez, on fait le tour, on fait le tour. Vous la remettez où vous voulez. Je la remets. Voilà. Ok, ok. Très bien. Tintadadam. Maintenant, si on fait. Une carte remonte, valet trèfle, c'est ça? Non. C'est... Bon, attendez, on va. C'est pas un problème, c'est pas un problème. On va faire comme, ça. J'étais troublé. C'était quoi comme carte? C'était 10 de carreau. 10 de carreau. Bon, c'est pas grave, très bien. Mettez votre main dessus, Christophe. Sûr. Sur la carte, sur les morceaux-là. Sur le truc déchiré, là. Oui. Regardez bien, si on prend le 10 de carreau, on fait boum, boum, boum. Et ici, j'ai le valet de trèfle. Oui. Vous retournez les morceaux un par un. Je rêve. Et c'est le 10 de carreau, c'est ça ? Messieurs, ça s'applaudit. Bravo. Mettez votre main comme ça, Christophe. Ah, il y a hein. Incroy fucking up, là. Et maintenant, regardez bien, si on fait boum. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là, on fait ça. Regarde, regarde, incroyable. Il m'a mis les morceaux dans la main, incroyable. Regarde. Incroyable. Tu ferais mieux de regarder et de dire fuck fuck parce que c'est vachement bien, hein, ce qu'il a fait. Hein. Incroyable. Fucking humble. Incroyable. 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 But true. Et true, on ne sait pas. Yes. Incroyable, mais vrai, évidemment. C'est très bien. Bravo. Non, bravo. On est un peu disturbed. Vachement bien. Merci. Super. C'est tout. Très bon. Pour aujourd'hui, ce sera parfait. OK. On va se retrouver où? Là. Ici. On va se retrouver ici et on va se retrouver après. Et après, on va changer la place parce que moi, je suis largué, moi. Si je suis à cette place-là, c'est clair. Oui, mais moi, je sais plus où que c'est ma maison. On va aller jouer au basket, alors. Oui, on va voir ça. Enfin, de toute façon, on va se retrouver après la pub-ci avec Billy Idol, Patrice et peut-être encore le costume de Patrice d'ici quelques jours. A tout de suite, merci beaucoup. A tout de suite, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maraison de la radio avec Billy Idol qui est là et qui est donc en pleine forme, qui vient de faire une petite balade dans le public. Qui est un énergumène que nous sommes absolument ravis de recevoir. Absolument, hein. Ouais. Ça bouge, ça bouge. Ça bouge. Hein, on ne sait clair. Pas comment ça va se finir. Alors, bah non, on ne sait pas. Non, non, ça, c'est la surprise avec ce genre de garçon, c'est la surprise. Mais on aime bien les surprises, donc on est très contents de vous. Regardez le con. Comment? Regardez le con, the video. Vous voulez voir la vidéo, absolument. The video one more time, maybe? Il va encore voir un petit peu de son clip. Anything can happen. On va lui montrer.
Il dit que n'importe quoi peut arriver. Alors on va regarder quelques secondes. Show the video. Let's stop talking and show the music. On arrête de parler, on regarde la vidéo. Mais enfin, normalement, c'est une émission où on parle. This is a talk show. You know what? It's a talk show. And it... Fuck talking. Yeah. In talk show, you have show and you have talk. I don't have to care. This is my talk show. Show the fucking video. Mais ils vont tous le faire maintenant. Je suis en train de finir. Like Napoleon said, je me demande si on n'est pas en train de tous devenir cybernétiques. A man who saves a nation breaks no law, like Napoleon said. Un homme qui sauve une nation ne transgresse pas la loi. C'est clair. Oui. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Un homme qui sauve une nation. What he said, baby, it's your man. He's your man. Ah. We're in love with your man. We're in love. Mais c'est Napoléon qui dit. Un homme qui transgresse la loi peut aussi sauver une nation. Mais un homme qui transgresse la loi peut aussi sauver une nation. C'est pas ce que Napoléon a dit. Il a dit, a man who saves a nation breaks no law. Oui, Napoléon a dit ça. Mais on peut imaginer aujourd'hui que... This week I went to Napoleon's tomb. Ah, vous êtes allé sur le tombeau de Napoléon cette semaine. I think he's a great man. C'était un homme extraordinaire. Scary man. Oui, il faisait un peu peur. Ok. What are we going to do now? Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire des choses formidables. On va faire des choses formidables, Billy. Attention, on va enchaîner. Un petit coup de main. Le jeu. Alors attention, c'est un quiz. Et là, c'est un quiz. Donc évidemment, nous allons avoir en ligne. On va faire gagner des paniers de basket à des gamins qui ont envie de jouer au basket et qui n'ont pas forcément de panier, mon cher Billy. Des paniers, des équipements, des ballons, etc. Tout très extrêmement complet. Et on va avoir au téléphone un éducateur, je crois. Peut-être à Toulon. Et je vais dire. Choukri, si c'est à Toulon. Et je vais dire allô. Oui, allô. Ah, bonsoir. Qui est à l'appareil? Bonsoir, Christophe. C'est Choukri à l'appareil. Bonsoir, Choukri. Vous êtes animateur aux classes à Toulon, c'est ça? Oui, je travaille pour la ville de Toulon, donc on intervient dans les quartiers au niveau des jeunes de 13-18 ans. Alors, Choukri, attention, parce que ces jeunes de 13-18 ans seront peut-être ravis d'avoir des dizaines d'équipements, des dizaines de ballons et des paniers de basket pour jouer au basket, donc il y a quand même un poids qui pèse sur vos épaules. Et on va faire une espèce de quiz avec vous tout de suite. On va vous poser plusieurs questions, 8, je crois, au maximum. En tout cas, il vous faut avoir 5 réponses pour qu'on y arrive. Donc Billy va peut-être nous filer un petit coup de main sur ce coup-là. On ne sait pas. Il n'a pas entendu n'importe quoi. Il n'a pas entendu, mais vous avez compris qu'on allait faire un quiz avec un... Vous avez cassé votre matériel ou ça va, vous comprenez la traduction, Billy? Prediction. Billy Idol, number one! Billy Idol, number one.
évidemment. Pas de problème. Alors attention, Choukri, soyez très, très concentré. Et nous aussi, il faut qu'on le soit. Première question, Patrice, s'il vous plaît. Je pense que vous avez des questions. La fête de qui aujourd'hui? En fait, les quoi? Quel prénom? Quelle fête aujourd'hui? Non. Ça marche pas, it doesn't work. No, comme Beko. Perhaps you have a technician. Alors, ok. Maybe it doesn't matter. Ok, take this one. Il y a un chanteur, vous savez, qui est originaire de Toulon, qui est Beko. Alors, Choukri, take this one. Yes, yes, it's ok, smile. Alors, Choukri. Allô. Ok, give me back. Allô. Allez-y, Choukri. Choukri, vous m'entendez? Oui. Ok. Alors, quelle fête fait-on aujourd'hui? Quel saint fait-on aujourd'hui? Le prénom de Beko, Gilbert. Saint Gilbert, bravo. C'est Saint-Martin ou Saint-Gilbert? On nous a dit, je ne sais pas. Alors j'aimerais bien qu'on vérifie sur un agenda la fête de qui, quel saint nous fêtons aujourd'hui en régie. Alors, il y a plus d'un Inde qui s'appelle Martin, cela dit. Non. Alors Choukri, je vous pose une autre question. Alors attention, qui a remporté hier, Choukri, soyez attentif, le tournoi de Roland-Garros? Ah ben ça c'est très d'actualité, hein, parce qu'hier on a regardé le match avec quelques jeunes, il s'agit de Bruguera. Bruguera, bonne bravo. Réponse, un point, parfait. Quel âge vient d'avoir Johnny Hallyday? Chut. Choukri. J'suis en train d'hésiter. Johnny Hallyday, au hasard. Qu'est-ce que Johnny Hallyday? 5 ans, bravo. 5 ans, bonne réponse. Beautiful. Quel âge a Billy Idol? Who cares about him? Billy Idol? 30 ans. To be honest, am I being paid? Au hasard, 30 ans. Non. Il a dit tout à l'heure. Il a invité 37. 37. Il a dit qu'il en avait eu 37, oui. Donc il a eu 37. Donc vous. Oui, il va avoir 38. Ouais. On pose une autre question à Choukri. Allez, en quelle année a-t-on fêté le bicentenaire de la Révolution française? En quelle année a-t-on fêté? Le bicentenaire de la Révolution française. Yeah, thank fucking God. En 1989. The only country in the world that had any balls. Ouais. J'entends pas, moi, Choukri. Oui, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a dit? En 1989. Bonne réponse. Attention, qui était, Choukri, qui était Jean-Baptiste Poquelin? Jean-Baptiste Poquelin? Ouais. The big penis? I don't know. Alors là, désolé, si vous pouvez me peu m'aider, mais j'ai aucune idée. Pas Tartuffe. Jean-Baptiste Poquelin, il est mort en scène. Soyez pas Tartuffe. Tartuffe. Alors? The gigantic one. Yes. Oui, non, il avait... Non, il avait une précieuse ridicule. Je suis pas sûr qu'il avait une grosse bistouquette, comme vient de le dire Billy, mais en tout cas... Qui était Jean-Baptiste Poquelin, Choukri? Alors, he was formidable. Aucune idée. C'était Molière. Attention, une autre. Molière. Quel quotidien vient de fêter ses... Ah, bah attends, il a répondu mal, il faut mettre un panier. On peut l'aider. On va envoyer le ballon, on va mettre un panier pour Choukri. Merci beaucoup. Vous essayez? Parce que vous êtes assez fort, vous. Hein. Bon, vous n'avez pas répondu pour Poquelin. Patrice va peut-être vous donner un point. Oui, mais on va aller vite parce que... C'est là-bas que ça se passe. Vous avez 5 points, Choukri. Oui. Donc vous venez de gagner, pour les jeunes avec lesquels vous travaillez chaque jour, vous venez de gagner une barre de nougat, un sachet de sel, un potage aux champignons, une boîte de préservatif, un poudriette, un tube de comprimé pour purifier l'eau, un sachet de bonbons, 100 cure-dents et un ticket de métro. Mais ça, c'est pour vous. Et ce que vous faites gagner aux jeunes de votre ville, c'est 100 abonnements au magazine Mondial Basket, plus 100 ballons de basket, Choukri. Oui. Plus 20 ensembles complets Nike composés de t-shirts collector, survêtements, casquettes, chaussettes et baskets Air Red Nike. Ça, hein. Patrice en est équipé, on peut le voir à l'instant. Ouais. Plus, écoutez bien Choukri, 6 paniers de baskets en résine, Villeroy, Dalle, haute résistance tout temps pour pratiquer le outdoor, c'est-à-dire le basket de rue. 100 balls. Ok Choukri? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, c'est super, c'est top. Parce qu'on a un équipement de proximité où les jeunes jouent au basket sur les murs. Et donc, on va, avec ce que vous nous offrez ce soir, donc équiper ce terrain de ces fameux panneaux de basket. Bah, c'est génial, on est ravis. Vous venez de gagner donc 100 ballons, 20 ensembles et 6 paniers de basket. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont pouvoir faire des parties de temps en temps en pensant un peu à nous. Et nous, évidemment, on est ravis de vous faire profiter de ça, Choukri. Et c'est grâce à vous si les mômes qui sont près de vous les ont gagnés. Donc bravo, applaudissements pour lui, s'il vous plaît, madame, monsieur. Ok, maintenant les joueurs. Ouais, il nous reste 3 minutes pour accueillir les Nike USA All-Stars, c'est-à-dire la sélection des meilleurs joueurs universitaires américains. Ils sont 4 qui sont ici. S'ils veulent bien entrer.
On va les faire rentrer immédiatement. Qu'ils entrent, vite. Qu'ils entrent tout de suite, s'il vous plaît, les joueurs minutes. Américains, universitaires. J'enlève la table ici. Voilà. Je me lève. C'est les futurs joueurs. Patrice, vous venez. C'est les futurs joueurs de la NBA. Ok, guys. We have 3 minutes. All right. Alors ce sont les Patrice, Billy, ce sont les Patrice. J'appelle Billy parce qu'il est parti ailleurs. Il est parti ailleurs, alors, il va venir là. Donc c'est des futurs joueurs de la NBA, c'est-à-dire Let's play in English with them. Yeah, sure. They're American. They're American, okay? And they are the future players of the NBA basketball, okay? Yes. In States. So, Patrice. Donc c'est les futurs joueurs de la NBA, c'est des joueurs de l'université américaine, donc parmi les meilleurs joueurs américains, ils sont en France pour quelques jours. Il y a une revanche mardi, parce qu'ils ont fait un premier match, une revanche mardi soir à 20h30 au Coubertin. Donc c'est pour ça, c'est là qu'on va aller voir. Et on va aller voir peut-être eux nous faire une démonstration, voilà, tous les cas. Une démonstration. Il y a Mitchell Butler, Tony Barbeck, Eric Martin et James Voskuhl. Ok, perhaps you... Voilà. Demonstrate now because voilà. Perhaps we can have just a little show of 1-2 minutes, a demonstration between you, two between two, two vs two, okay? Okay. Regardez bien parce que ce sont les futurs grands joueurs américains. Ils sont pour l'instant universitaires. Ils vont montrer ce qu'ils savent faire et vous en entendrez parler dans les années à venir dans le championnat NBA. Okay. Ils ont battu l'équipe de France hier. Quand même. Bah, il est parti, Billy, faire un petit tour. On peut faire quelques balles avec eux. Ils ont quand même battu l'équipe de France hier 103-102. Ils ont battu hier à l'équipe de France, donc 103-102. Bravo pour yesterday. C'est un jeu d'attaque défense, on y va. Congratulations for yesterday. Je me mets avec eux deux, vous me mettez avec eux deux. Ok, allez. I play with you and Patrice play with you. Yeah, ok. Ok, three of us, ok. Quickly, because it's time, ok. Ok, et qu'est-ce qu'on fait, Beth? Qu'est-ce qu'on fait? Oh, yeah, good. On remarque un panier. Hop. Y'a un panier. C'est à vous. Attention, c'est fait gauler. Ouais, ça va être dur. À mon avis, ils sont quand même immenses, hein, les gars. Ouais, ils sont grands. Il va falloir intervenir d'une manière très sérieuse. Thanks. Ok. Horrible. À deux balances. Non, c'est un peu facile, ouais. Voilà. Un point pour vous. Ah, voilà Billy. Ah, ben voilà Billy, ok. Billy. Ok. Ok, this one. You play with us? Ok. Je crois que c'est la fin de l'émission, Christophe. Ah, c'est la fin de l'émission. Voilà, on remercie Billy, évidemment ces jeunes gens dont on peut rappeler qu'ils sont la future sélection NBA américaine. You have a